Soyez salués en vos rangs de qualité, chers camarades d'Afrique. L'heure est grave. L'heure est très très grave. La communauté de la CEDEAO s'est mobilisée pour aller chez Draban Watt, pour aller chez Bakongo, pour lui poser des questions. Mon frère, pourquoi tu casses les maisons de la communauté de la CEDEAO? Pourquoi tu casses les maisons des ressortissants de la CEDEAO à Abidjan? Pourquoi? Ils sont allés poser des questions aujourd'hui. Ouais, ouais. Sénégalais, Guinéens, Ghanéens, Maliens, Burkinabé, ils se sont mis ensemble. Ils sont allés demander à Bakongo. Mon frère, nous, la communauté de la CEDEAO, là, on t'a fait quoi? Et puis tu casses nos maisons. Au nom de Dieu. Chers camarades, pendant ce temps, Dramane Ouattara a mis en place une institution qu'on appelle le régulateur du cacao, le régulateur du milieu du cacao. Quand le prix du cacao veut monter, il demande aux gens de ne pas faire monter. Et je vous le dis ça. La voix Gagnoua Sassandra, chers camarades, est une voix de l'enfer. On va vous expliquer ça, chers camarades, peu d'Afrique. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais déjà vous demander de partager au maximum, dans un premier temps. Et au-delà de ça, vous demandez, chers camarades, peu d'Afrique, d'être présent le samedi 13 avril 2024. Samedi 13 avril 2024 prochain, là, à la place Trocadéro, pour manifester contre Dramane Ouattara et sa dictature. Ouais. Pour montrer au monde entier que Babola, c'est lui que les Africains veulent en Côte d'Ivoire. Pour montrer au monde entier que Babola, c'est lui que les Panafricains veulent en Côte d'Ivoire. Pour montrer au monde entier que ce Babola, c'est lui dont le peuple ivoirien a besoin en Côte d'Ivoire. C'est lui que le peuple ivoirien veut voir en 2025 au palais présidentiel. Chers camarades d'Afrique, le samedi 13, c'est une démonstration de force. Je vois tous les Africains à la place Trocadéro à partir de 13h00. Ceci dit, on va rentrer dans la vie du sujet. TikTok, tapoter. Facebook, pomper les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Je vais vous montrer déjà l'image. Tout le monde pompe les cœurs. Voilà. Et voici. Voici la communauté de la CEDEAO. Les Ghanéens, les Burkinabés, les Maliens. Vous les voyez, non? Ah ouais, d'accord. Où est Bakongo, là? Et sa tête en vrai, testicule de mouton, là. Sa tête en vrai, testicule de mouton. Chers camarades d'Afrique, il a partagé aujourd'hui, là. Les RDR, ils ont trop peur de moi. Eh, tiens, il est si frais. Ils ont peur quand ils sont comme ça, là. Non, ça prend la poudre d'escampette. Donc, on va rentrer dans les villes très rapidement. Côte d'Ivoire, déguerpissement de la CEDEAO, excusez-moi. Oh, Françoise Auto, merci pour l'étoile, camarade. T'es une 10. Ouais, il n'y a même pas l'homme pour toi. Des ressortissants de la CEDEAO veulent mieux comprendre les opérations de déguerpissement à Abidjan et leurs impacts sur les populations étrangères. Je répète, des ressortissants de la CEDEAO veulent mieux comprendre les opérations de déguerpissement à Abidjan et leurs impacts sur les populations étrangères. C'est-à-dire que, mais c'est ça qui me plaît. C'est-à-dire que quand les hommes réalisent et quand les hommes comprennent et quand les hommes savent qu'ils ont un droit et les hommes voient que leurs droits sont bafoués et ils se mettent à défendre leurs droits. Non, moi, Bakongo, je suis content. Je suis content. Parce qu'un homme, ça doit défendre ses droits. Bakongo et la délégation de la CEDEAO mercredi à Abidjan. Mercredi. Yeah. Des ressortissants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest
veulent mieux comprendre les opérations de déguerpissement en cours dans le district d'Abidjan et leurs impacts sur les populations étrangères. C'est dans ce cadre qu'une délégation importante des chefs communautés ressortissants de la CEDEAO, dirigée par Sa Majesté la Reine Mère Nana Kerema Abrafikoto. Ça, c'est une gardienne, ça. C'est-à-dire que c'est une gardienne qui dirigeait la délégation. Ok, you don't mind. A rencontré le mercredi 20 mars 2024 le ministre-gouverneur Cissé Bakongo, le démon. Leur visite est visant à mieux comprendre les opérations de déguerpissement menées par les services du district, en particulier leurs impacts sur les populations étrangères résidant à Abidjan. Afin de faciliter autrement la communication avec elle, a fait savoir le ministre-gouverneur, là c'est Bakongo qui parle maintenant. Selon Bakongo, au cours des échanges, ils ont abordé les préoccupations majeures soulevées par les dignitaires, notamment en ce qui concerne le respect des procédures d'information, de recensement, de relogement et d'indemnisation des familles touchées. Oh non! Non, les Ghanais, ils sont forts, hein? Chers camarades, est-ce que vous avez compris ce qui se passe? Est-ce que vous avez compris ce qui se passe? Ils disent, ils veulent des informations sur, ils veulent savoir si le respect des procédures d'information, c'est-à-dire est-ce que les gens là, les populations là, avant de casser leur maison là, est-ce qu'on les informe? Premier point. Avant de casser leur maison là, est-ce qu'on les recense d'abord? Deuxième point. Avant de casser leur maison là, est-ce que ils sont relogés? Troisième point. Avant de casser leur maison là, est-ce qu'ils sont indemnisés? Cinquième point. Et quatrième point. Voici les quatre points que les populations ont soulevés devant Bakongo. Chers camarades, mettez le cœur. Et Bakongo répond. Je leur ai également expliqué que cette initiative vise avant tout à assainir et à lutter contre l'insalubrité et le désordre urbain dans l'intérêt de tous. De tous nos citoyens. J'ai tenu à les rassurer que ces actions ne visent en aucun cas les communautés étrangères, mais ont pour objectif premier de sauver des vies humaines, en accord avec mes convictions politiques et religieuses. Voilà ce qu'il dit. Mais on ne t'a pas demandé si c'est pour faire quoi. On t'a dit. La communauté qui est partie là, la CEDEAO là, les voici. C'est la femme là. La femme qui est où là? La femme qui est là, c'est elle qui dirigeait la délégation. Facebook, TikTok, est-ce que vous voyez? TikTok ne voit pas. Voilà. C'est la femme là qui dirigeait la délégation. Elle dit, on n'a pas dit non, hein. Mais est-ce que, avant d'aller casser la maison des gens là, est-ce que toi tu les informes? Ça fait premier point. Avant d'aller casser la maison des gens, là, est-ce que tu t'assures de les reloger d'abord? Deuxième point. Avant d'aller casser la maison des gens, là, est-ce que toi, tu t'assures, cher camarade, de les indemniser? Voilà les questions. Donc, je sais qu'ils ont garant Bakongo. Mais ils ont garant. Ils ont garant là-bas. Si tu veux détruire maison déjà, il faut pas. Parce que la dernière fois, ils ont cassé Anoumambo. Anoumambo, là, il y a beaucoup de gagnants là-bas. La dernière fois, ils ont cassé Anoumambo. La semaine passée, cette semaine-là, je crois que ça a commencé du dimanche à hier ou avant-hier. Ils ont cassé Anoumambo. Ils ont cassé Anoumambo village. Ils ont démoli le coin. Donc, les communautés de la CEDEAO se sont mis ensemble pour aller le voir. Pour lui faire des mises en garde. S'il ne veut pas de problème, il n'a qu'à aller doucement avec les communautés étrangères. Ouais. Vous comprenez ça, chers camarades d'Afrique?
C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je salue cette démarche. Cette démarche, je dirais, salutaire, je dirais, héroïque de la délégation de la CEDEAO. Vous avez très bien fait. Quand j'ai dit ça, je m'en vais vous montrer le complot que Dran Ouattara a ourdi contre le peuple, les planteurs ivoiriens. Voici la femme qui est devant. Les planteurs ivoiriens, votre ennemi premier là, voici. Celle-là, femme qui est là, c'est une sorcière. Femme que vous voyez là, c'est femme là, c'est une sorcière qui est là. C'est nous gounons, femme là. Il faut qu'elle soit démasquée. C'est une sorcière. Mais on va te montrer que nous, on attrape sorcière dans ce pays. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez ici, un chien comme rappel d'Afrique. C'est une sorcière, hein? Pompez les cœurs. Pompez les cœurs pendant la vidéo. Pompez les cœurs. Côte d'Ivoire, mise en garde contre les exportateurs sur le surpaiement du cacao. Mais, est-ce que vous comprenez ça? Mise en garde, c'est-à-dire que Dran Ouattara se permet de mettre une structure en place qui permet d'empêcher les gens d'acheter le cacao au prix qu'il souhaite. Est-ce que vous comprenez ça, chez Gamabé d'Afrique? Hein? Dran Ouattara met en place une structure. Non, mais c'est grave. Dran Ouattara met en place une structure qui empêche les acheteurs de cacao d'acheter le cacao au prix qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'au-dessus du prix Borchamps, c'est-à-dire que le prix Borchamps qui a été fixé à 1000 francs, là, il empêche les gens d'acheter le cacao à 1200 francs. C'est pas sorcellerie, ça. Chers camarades, c'est pas sorcellerie, ça. Et puis, ils écrivent ça gaillardement et ils n'ont pas honte. On dit, mise en garde contre les exportateurs sur le surpaiement du cacao à l'entrée des usines. Le GEPEX espère que le Conseil pourra assurer la stricte application. Écoutez ici. Le Conseil Café Cacao a dénoncé dans une note le surpaiement du cacao à l'entrée des usines par certains exportateurs agréés. Écoutez ici. Il a été observé depuis un certain temps que des exportateurs agréés pratiquent le supplément du cacao à l'entrée des usines, de leurs usines. Le conseil du café cacao tient à rappeler que le supplément du cacao à l'entrée des usines est interdit. Le supplément du cacao à l'entrée est interdit, a indiqué le régulateur des deux principales matières premières. Écoutez, le régulateur. Bon, ça là, si on vous dit ça, et c'est ça là, c'est bon. Alors que Bouygues exploite le pétrole et le gaz de la Côte d'Ivoire, et Bouygues vend ça au prix du marché international. Quand Bouygues augmente le prix du cacao, le prix du pétrole en Côte d'Ivoire, Ouattara n'a personne pour réguler ça. Il n'a pas placé quelqu'un pour réguler ça. Hein. Mais cacao des planteurs, les gens disent qu'ils vont acheter à un prix élevé parce que ça manque sur le terrain là. Dran Ouattara dit personne n'achète à un prix plus élevé. Et si vous comprenez ça. Mais comme les planteurs aussi, les coopératives des planteurs sont des corrompus, des vendus, des maudits, des criminels. Vous, je ne sais pas pourquoi vous êtes sortis du ventre, pourquoi on vous a accouché. C'est pourquoi. Vous êtes venu dans ce monde-là. Pouvez-vous nous emmerder? Pourquoi? Pourquoi vous êtes venu nous emmerder dans ce monde? Vous ne pouvez pas manifester contre ça? Vous ne pouvez pas manifester contre ce régulateur de pacotille.
Vous ne pouvez pas manifester. Mais c'est grave. Madagascar, le prix a atteint plus de 3500 francs. Ça ne cesse de grimper, Madagascar. Au Cameroun, le prix a atteint 5500. Ça ne cesse de grimper là-bas parce que ça manque. Parce que ça manque. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, ça n'a pas grimpé? Parce que c'est le fils de Dramane Ouattara, le fils de sa femme Diantara. Sa femme Diantara, c'est son fils, Loïc Folorou. C'est lui qui gère le cacao de Côte d'Ivoire. C'est lui qui empêche les Ivoiriens de vivre. Si on n'a pas chassé Dramane Ouattara, au nom de Dieu, on va se promener avec carte de séjour dans ce pays. Si on n'a pas chassé Dramane Ouattara, on va se promener avec carte de séjour dans ce pays. Chers camarades pays d'Afrique, Yoromagne, Dramane est un démon. C'est-à-dire que je ne sais même pas pourquoi Dieu, coronavirus est venu, coronavirus est parti, première fois, première vague, deuxième vague, troisième vague, et le coronavirus a pris beaucoup de vies et il a laissé Dramane. Je ne comprends pas pourquoi Dieu avait ça. Je ne comprends pas pourquoi Dieu fait ça. Hein? Ils nous emmènent avec un vieux Waworo comme ça. Un maudit comme ça. C'est ça que j'ai dit à mon papa. Si, quand en Akkad, quand ça commence, il faut manger l'argent. Mange. Faut pas t'emmerder d'affaires dans l'Akkad. 325. 275. En cas de vergüenza. Adjoumane dit qu'il est Ghanéen. Il s'en fout des Ivoiriens. Mais c'est grave. Pendant ce temps, il dit, il fait les infrastructures, il dit, il travaille, il dit, il fait ceci. Regardez. C'est Côte d'Ivoire qu'elle a là, c'est route de Côte d'Ivoire. Gagnoua, ce centre-là, voyez ça. Où est bois là? TikTok, où est non? TikTok, où est non? C'est Côte d'Ivoire qu'elle a comme ça? Attends, Gagnoua, voilà. Gagnoua Sandra, c'est ça qu'il a comme ça. Côte d'Ivoire. Ma petite fille, sois saluée. Début de la position. Zombrote, sois saluée. Mais, chers camarades, Dramane, il nous asphyxie. Il rend la vie chère sur nous. Il nous endette. C'est-à-dire que on est sur le point d'être sous la tutelle des fonds vautours, des investisseurs étrangers qui vont venir nous prendre nos ressources pour les vendre. Nos cacao, nos produits agricoles, ils achètent mal. Quand il prend l'argent, il dit il fait route. Voilà route, Gagnoua Sandra. Il n'y a pas route. Bon, l'argent des Ivoiriens, tu prends, tu vas où est ça? Tu vas où est notre argent? Dramane, il faut que tu répondes à ma question. C'est-à-dire que, il faut un jour te connecter quand je suis en Paris. Il sait que tu viens en direct pour me suivre ici. Il faut avoir le courage un jour pour me répondre ici. Qu'est-ce que tu veux avec notre argent? Et tu fais quoi avec ça? L'un des Ivoiriens, tu fais quoi avec ça? Tu es déjà vieux. 81 ans, bientôt 82 ans. C'est-à-dire que, du jour au lendemain, tu peux passer de vie à trépas. Mais malgré tout ça, tu voles et tu n'as pas honte de voler. Tu fais quoi l'argent là-même? Hein? Sine Daïla, on dit c'est pour toi. Sine Daïla, c'est pour toi. Bitogo là, c'est un écran. Camarade, mettez le cœur. Écoutez ici, Côte d'Ivoire, la route. Gagnoua Sandra. Une odyssée. Tandis que dans l'enfer des infrastructures abandonnées. L'enfer des infrastructures abandonnées. Dans les méandres d'une route nationale oubliée, le périple de la route Gagnoua Sandra s'apparente désormais à un voyage au cœur de l'enfer.
C'est les badjans seulement qui vont là-bas. Les badjans. Voici les badjans. C'est les badjans qui vont là-bas. Si tu as pris ta voiture personnelle pour dire que tu seras par là à Gagnoua. Voilà. Si tu prends ta voiture pour dire que tu seras par là à Gagnoua. Tu avais 10 heures. Quelle 10 heures même, tu as dormi là-bas. Toute ta voix, tous tes bras là, les bras, tous tes pneus là, c'est cassé. C'est Caterpillar et puis Badian qui vont là-bas. Un vieux menteur, manipulateur, voleur, démon, criminel, sadique, sataniste. Faut quitter là, on va prendre pouvoir, sinon t'es déjà. Le peuple de Côte d'Ivoire est déchaîné contre toi. Alors là, le peuple est déchaîné contre toi. On ne veut plus rien entendre. On te chasse. Voilà. Donc, j'appelle tous les Africains. Toutes les Africaines. Tous les Africains, toutes les Africaines. À nous rejoindre le samedi 13 avril 2024 à la place Trocadéro. Pour manifester efficacement. De Dramane Ouattara. François Zawdo, merci pour les étoiles encore. C'est François Zawdo, ceux qui donnent l'étoile ici. Ah! Vous aussi. Vous comprenez ça? Parce que hier, c'est les imams qui se sont mobilisés pour aller contre lui, pour aller contre Bakongo, pour aller dire la vérité à Bakongo, pour dire vous avez échoué dans votre politique de logement. Vous avez fait un échec cuisant dans votre politique de logement. Ouais. C'est les imams qui ont dit ça. Et ils ont mis 40 Ouattara de ne plus casser leur lieu de culte. Ils n'ont même pas dit mosquée seulement. Hein. Ils disent les lieux de culte. Faut plus casser le lieu de culte ici. Waworo. Démon. Criminel. Satan. L'enfant de Satan. Donc, vous avez compris. Je vois tout le monde ici à la place Trocadéro, le samedi 13 avril, en fait une démonstration de force d'abord, pour montrer à Dramane que Euromagne, dans un premier temps. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Voilà. Ceux qui sont sur TikTok, bon, vous pouvez rester un peu. On va causer une heure. Après, on va se quitter. Facebook, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les peuples panafricains. Babo, président de Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. Voilà, on est ensemble, les gars.